Méditation libre comme un oiseau. Cette méditation s'adresse à quelqu'un qui se sent mal entendu, incompris ou même coincé, ou à quelqu'un qui se sent accroché, incapable de voyager et d'entrer dans la nature. Lorsque nous traversons des épreuves émotionnelles, nous pouvons avoir l'impression que cela laisse un résidu sur notre âme. Ce résidu peut devenir une cage à l'extérieur de notre âme, nous déconnectant de nous-mêmes ou de ce que nous ressentons pour les autres. Nous pouvons faire des erreurs de jugement et des choix qui sont dus à nos émotions parce que nous avons été blessés. Cela peut nous empêcher d'être qui nous sommes. La méditation libre comme un oiseau permet de s'évader des défis émotionnels très difficiles auxquels nous sommes confrontés chaque jour et en nous-mêmes, afin que nous puissions gagner en clarté et retirer le résidu de notre âme. Si nous sommes malades, que nous ne nous sentons pas bien et que nous vivons avec des symptômes, c'est une chance de nous élever au-dessus de tout cela pendant que nous travaillons à notre guérison. Maintenant, commençons. La méditation libre comme un oiseau peut être faite à l'intérieur ou à l'extérieur. Choisissez un endroit confortable pour vous détendre, assis ou couché. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Imaginez-vous maintenant dans un champ d'herbes hautes et de fleurs sauvages. Les fleurs sauvages et l'herbe sont tout autour de vous. Le voyez-vous? L'air est propre et frais. Le ciel est bleu. Imaginez-vous maintenant en train de vous faire pousser des ailes comme un oiseau. Voyez les plumes qui poussent sur vos bras et votre poitrine. Vous pouvez sentir à quel point ces plumes sont douces et fortes. Les voyez-vous? Maintenant, inspirez profondément et relâchez. Vous êtes un oiseau. Vous faites partie de la nature. Vous êtes la nature. Vos plumes sont fortes. Sentez à quel point elles sont fortes. Elles sont capables d'affronter n'importe quel vent ou brise. Vous êtes maintenant un oiseau, debout, au milieu du champ de fleurs sauvages. Le voyez-vous? Voyez-vous des papillons, des libellules tout autour? Vous regardez l'horizon au loin en toute sécurité alors que vous vous tenez là. Le soleil descend dans le ciel. Maintenant, regardez vos pieds. Vous avez des griffes d'oiseaux qui les remplacent. Voyez-vous les griffes de l'oiseau? Maintenant, regardez l'horizon et commencez à battre des ailes. Propulsez-vous vers l'avant et sautez en l'air. Et battez des ailes et commencez à monter dans le ciel. Lorsque vous battez des ailes, cela semble sans effort. Alors que vous commencez à prendre de la hauteur, que vous vous élevez en vol, vous allez de plus en plus haut. Les fleurs sauvages en dessous deviennent de plus en plus petites. Elles se fondent en une seule couleur. Vous pouvez voir un beau bleu clair avec un peu de rose entre les deux. En volant, au loin, vous voyez une ligne d'arbres. Vous apercevez un grand chêne que vous admirez.
vous vous rapprochez de plus en plus du chêne. Vous êtes sur le point d'atterrir sur sa plus haute branche. À 3, vous atterrissez sur la branche. 1, 2, 3. Maintenant, atterrissez sur la branche. Regardez au loin, à l'horizon. Que voyez-vous? Pouvez-vous voir des montagnes, des arbres, des nuages? Vous êtes haut, très haut, au-dessus de la terre. Il se fait tard. Le soleil est plus bas dans le ciel. Voyez-vous les traînées rouges-orange à l'horizon? Maintenant, inspirez profondément. Maintenant, relâchez. Imaginez maintenant que votre âme est une boule de lumière qui brille dans une cage entourée de barbelés. Les difficultés qui se sont produites dans votre vie sont devenues cette cage de fil de fer. Tout ce qui a pu vous retenir, ce qui a été vu ou non, se trouve dans cette cage de fil de fer. Ce sont des choses que vous n'avez pas été autorisé à dire ou à faire tout au long de votre vie, sans jugement ou malentendu. De vieilles blessures et même des amitiés brisées au fil des ans sont entremêlées dans cette cage métallique autour de votre âme. Vous visualisez maintenant que cette cage de fil de fer se brise. Elle se détache de votre âme et tombe maintenant de votre corps et s'abat sur le sol. Près du tronc du chêne. Maintenant, prenez une grande inspiration et relâchez. L'air est frais et vif, mais vous avez chaud à l'intérieur. Sentez-vous la chaleur sous vos plumes? Des plumes douces. Vous apprêtez à reprendre les airs. Voyez-vous plier les jambes et imaginez-vous propulsé hors de la branche et dans le ciel. Vous avez maintenant quitté le chêne. Vous êtes maintenant en l'air, en vol, et vous êtes libre. Vous voyez les nuages au-dessus de vous? Sentez le vent souffler contre vos plumes tout en regardant les nuages. Vous volez, votre âme est libre, la cage métallique de douleur n'est plus enroulé autour de votre âme. Vous volez librement. Rien ne vous retient. Rien ne vous retient vers le bas. Vous regardez à gauche de vous et vous voyez un autre oiseau voler à côté de vous. Vous regardez à droite de vous et vous voyez un autre oiseau voler à côté de vous. Ils sont libres et vous accompagnent dans ce voyage. Vous voyez des collines verdoyantes, l'une après l'autre. Vous regardez en bas en volant. Tout semble si petit en bas.
Vous voyez des routes de terre. Vous voyez du bétail en train de paître. Vous voyez des granges et des maisons en dessous. Vous êtes libre comme un oiseau. Vous flottez dans l'air. Vous êtes haut dans le ciel. Votre âme est si lumineuse, elle est forte et libre maintenant. Battez des ailes. Vous pouvez sentir le vent contre vos plumes. Il est temps de retourner sur le champ où vous avez commencé. Vous voyez les fleurs sauvages se définir au fur et à mesure que vous descendez. Voyez-vous les fleurs sauvages ? Vous vous approchez de plus en plus du champ où vous avez commencé. La couleur bleue des fleurs sauvages devient plus forte et plus lumineuse. Vous vous rapprochez de plus en plus. Préparez-vous à atterrir bientôt. Vous commencez à descendre. Les fleurs sauvages se rapprochent de plus en plus. Vous pouvez compter leurs pétales et voir les brins d'herbe entre elles. Préparez-vous tandis que vous flottez vers le bas. Vous êtes sur le point d'atterrir. Vous êtes à 50 pieds. À présent, 40 pieds de distance. Maintenant à 30 pieds de distance. Maintenant à 20 pieds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous touchez le sol. Vous avez atterri. Vos griffes sont sur le terrain. Vous voyez les plumes disparaître de vos bras. À trois, inspirez profondément. 1, 2, 3. Respirez profondément. Et relâchez. Prenez une autre grande respiration et relâchez. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Vous avez terminé la méditation libre comme un oiseau. Vous êtes maintenant en contact avec une partie de vous-même à laquelle vous n'avez pas été connecté depuis des années. La cage qui était enroulée autour de votre âme n'est plus là. C'est ouvert et vous êtes libre. À ce moment, votre âme est libre. N'hésitez pas à répéter cette méditation aussi souvent que vous le souhaitez. Au cours de la vie, nous perdons le lien avec notre très vieille âme. Elle devient confinée de toutes nos expériences, de nos épreuves, nos trahisons, notre confiance brisée et nos pertes. Les luttes des autres qui sont autour de nous nous enlèvent aussi. Une cage qui s'enroule autour de notre âme est faite d'un résidu de malheur terrestre et cela entrave cette connexion. Vous pouvez sentir qu'un grand poids est sur nous, nous empêchant de voler librement et de vivre la vie que nous recherchons. À ce moment même, votre âme est libérée de ce résidu. Vous pouvez répéter cette méditation lorsque vous sentez les limites de la vie s'emparer à nouveau de vous, construire une nouvelle cage autour de votre âme. Plus vous faites cette méditation, moins la cage peut s'emparer de vous et le résidu ne peut plus y demeurer en vous ou vous retenir. Faites de cet exercice un élément régulier de votre développement spirituel et de votre guérison. Lorsque vous entraînez à voler en liberté, rien ne peut vous retenir ou se mettre en travers de votre chemin. Vous voyez, je crois en vous et je sais que vous pouvez guérir. Texte traduit
d'Anthony William, le médical médium.